Le 19 juin 2013 à Fécamp, Harmonie, alors âgée de 25 ans, est retrouvée par son compagnon, morte dans le grenier de leur domicile. Visiblement, la jeune femme s'est pendue à l'aide d'un fil électrique. Si les pieds touchaient le sol au moment de la pendaison, l'enquête confiée à la police conclut un suicide. La famille d'Harmonie relève de nombreuses incohérences dans les constatations des enquêteurs. Elle se constitue partie civile. La police de Fécamp est alors dessaisie du dossier au profit de la gendarmerie. Finalement, le compagnon d'Harmonie passera aux aveux lors de sa garde à vue. Oui, il l'a étranglée. Oui, il a maquillé son geste en suicide. Mais non, il n'a pas voulu la tuer. Il voulait juste lui faire peur. Pour la famille d'Harmonie, ses aveux ne sont pas suffisants. La famille attend beaucoup d'autres choses. Elle attend notamment de comprendre ce qui s'est exactement passé. Les aveux ne lui suffisent pas. La famille veut absolument savoir les raisons qui ont conduit la filée à s'en prendre à leur fille, alors même que rien ne laissait penser. Harmonie était une jeune femme pleine de vie, une femme qui n'avait strictement aucune difficulté tant sur le plan personnel que professionnel. Par conséquent, ils n'ont jamais cru à la thèse du suicide. Et c'est certainement d'ailleurs grâce à eux que l'enquête a pu être lancée. L'audience se prolonge sur 3 jours. Pour ce meurtre aggravé, l'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité.